Shalom, shalom, soyez bénis au nom puissant, souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce, surtout la grâce qui surpasse l'or et les trésors de ce monde, se repose sur vos vies dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez encore bénis, vous qui nous suivez partout dans le monde, toute armée de prière et tous ceux-là qui sont des chrétiens, qui peuvent nous suivre. Que Dieu lui-même repose sa grâce encore sur vous. Alors, nous sommes dans notre semaine, dans nos moments de prière, dans nos moments de jeûne de 21 jours. Alors, cette semaine, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes allés dans une autre dimension avec le Seigneur. Cette semaine, par la grâce du Seigneur, nous allons être accompagnés encore dans une autre dimension avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire ceci, c'est que cette semaine, c'est vrai, la semaine passée, nous étions dans un temps de repentance. Mais cette semaine, après la repentance, nous devons nous lever comme des enfants de Dieu que nous sommes, comme des fils de Dieu que nous sommes, pour pouvoir combattre au compte de notre Dieu. Nous devons nous lever pour pouvoir intercéder pour le compte de notre Dieu. Nous devons nous lever pour pouvoir élever les voix de tout, de partout, le monde entier dans lequel nous nous trouvons, de manière unanime, afin de faire descendre la gloire de Dieu, la présence de Dieu, afin de permettre au ciel d'être en travail et en mouvement sur la terre. Soyez bénis encore, soyez exaltés, soyez encore bénis. Alors, le thème de ce soir, par la grâce de Dieu, nous sommes dans notre thème qui est le combat spirituel, l'intercession. Le thème qui est le combat spirituel, l'intercession, la délivrance pour tout le monde entier. Bien-aimé, nous devons savoir une chose, c'est que ta prière est capable d'amener Dieu à arranger quelque chose dans ce monde entier. Le monde entier a besoin des enfants de Dieu. Le monde entier a besoin de nos prières. Le monde entier a besoin de ton intercession. Le monde entier a besoin de ton cri. Gloire à Dieu. Dieu a besoin que tu fasses quelque chose. La Bible déclare que s'il y a des hommes pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Ça veut dire la formule de l'exaucement commence par la prière. La formule de l'exaucement nous amène à entrer en relation avec Dieu. Dieu attend nos prières pour qu'il entre en action. Alors, bien-aimés, soyez bénis, soyez encore bénis. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis encore merci pour ce temps. Reçois toute la gloire, reçois l'élévation, reçois la magnificence encore pour la grâce que tu nous accordes, nous, enfants de Dieu que nous sommes, de pouvoir prendre ce temps en cette fin d'année, comme on pourrait dire, en ce temps de la fin, de mettre nos genoux au sol, Seigneur, et de crier à toi en faveur de tous ceux-là qui souffrent, en faveur de tous ceux-là qui te cherchent, en faveur de tous ceux-là, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ont besoin de toi dans les prisons, dans les marchés, dans les hôpitaux, dans les lieux, dans les sociétés, dans les pays, dans les lieux reculés, Seigneur. Nous prions en ce moment que tu descends ta puissance et que tu descends et que tu agisses à partir de cet instant. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de chaque personne qui est connectée en ce moment. Prends le contrôle, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et étends ta main. Descends ton armée maintenant pour venir nous assister dans cette bataille et dans ce temps de prière. Reçois toute la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez encore bénis, peuple de Dieu. Nous sommes là. Je vais encore rappeler ce thème, le thème qui est le combat spirituel, l'intercession et la délivrance pour le monde entier. C'est une lourde responsabilité, bien-aimé. C'est une lourde responsabilité, frère. Quand je parle de l'intercession, je peux voir Daniel. Je peux voir l'homme qu'on appelle Daniel. Gloire à Dieu. Daniel avait pris la lourde responsabilité que nous prenons aujourd'hui, qui est d'intercéder pour tout le peuple d'Israël. Daniel s'était mis pour pouvoir intercéder pour tout le peuple d'Israël. Les 70 ans de la captivité étant finis, mais le temps était en train de s'écouler. Et Daniel a décidé de prendre un temps de 21 jours de jeûne et de prière.
Et il a élevé les mains vers le Seigneur en disant, Seigneur, jusqu'à quand allons-nous rester captifs? Jusqu'à quand allons-nous rester dans des pays étrangers? Jusqu'à quand, Seigneur, allons-nous continuer à être des esclaves? Bien-aimé, je veux que ce soit aujourd'hui, tu t'identifies comme Daniel et tu cries non seulement en ta faveur, mais tu regardes à ta famille, tu regardes à l'humanité, tu regardes au monde entier, tu regardes tout ce qui est en train de se passer même dans le corps de Christ, tu regardes même à ta famille, tu regardes à ta propre vie même, regarde un peu tout ce qui est en train de se passer. Dieu attend une chose, c'est que tu commences également à prier. La Bible déclare que Daniel s'est mis à prier. Et lorsqu'il s'est mis à prier, le Seigneur, la Bible nous dit que lorsqu'il l'ange Gabriel avait été déplacé, l'ange lui a dit, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de prier, le Seigneur t'avait déjà exaucé. C'est pour ces raisons, nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, que lorsque nous nous mettons à prier, nous nous mettons dans un programme de jeûne et de prière, ce n'est que ça que notre Dieu attend. C'est ça que notre Dieu attend. Il attend que nous prenions de telles décisions pour pouvoir réagir, pour pouvoir agir. Gloire à Dieu. Je vais te motiver ce soir, c'est pour te dire que quel qu'en soit là où tu es, sois-en sûr que ton Dieu t'a déjà exaucé. Ne regarde pas la taille de ta responsabilité, mais regarde à la dimension et à la puissance de ton Dieu. Il est le Dieu de tout l'univers. Il est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle contient. Donc ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand tu sais que c'est celui qui contrôle toute chose, qui va faire cette chose-là, tu peux être confiant. Tu peux agir avec foi. Soyez tous bénis. La Bible nous dit également dans le livre de Romains, dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 8 que je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, nous devons savoir une chose, c'est que les œuvres du diable, le diable n'entend qu'une seule, le diable n'entend qu'un seul langage. C'est le langage qui vient de Dieu. C'est le langage de la puissance de Dieu pour pouvoir le mettre de côté. Si, bien-aimés, c'est pour ces raisons, pour déclencher la puissance de Dieu, nous avons besoin d'intercéder. Pour déclencher la puissance de Dieu, nous avons besoin de prier. Pour déclencher la puissance de Dieu, nous avons besoin d'élever les voix vers notre Dieu pour détruire les œuvres du diable comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait fait. Le Seigneur Jésus-Christ ne détruisait pas les œuvres du diable seulement peut-être avec... Le Seigneur Jésus-Christ utilisait la force de la prière et la force du jeûne. La Bible déclare qu'il partait parfois à la montagne et il priait parfois toute la nuit. Toute une nuit, il était en prière. Tôt le matin, il se lève, il s'en va prier. La Bible dit qu'après son baptême, il a pris 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière dans le désert. Bien-aimé, c'est biblique. Donc ce que nous faisons, c'est une chose auquel le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a fait sur cette terre. Donc je vais te dire une chose, c'est que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de marcher sur les pas de celui-là qui nous a créé, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le c'est pas c'est quoi? C'est de détruire les œuvres du monde des ténèbres, de détruire les œuvres du diable. C'est pour ces raisons, Dieu a besoin des hommes qui se lèvent dans la prière, dans l'intercession. Dieu a besoin des hommes qui se lèvent pour prier. Il a dit à Esaïe, qui enverrai-je? Certainement le Seigneur cherche en ce temps de la fin des personnes qui peuvent se lever et décider non. On dit non aux œuvres du diable. On dit non aux œuvres de la sorcellerie. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton pays, que ce soit dans ta nation, que ce soit même dans ton église. L'église aujourd'hui n'est pas à l'abri, bien-aimé. Il y a des choses terribles qui se passent même dans les églises aujourd'hui. Alors nous devons élever les voix. Priez même pour ton pasteur, priez même pour les serviteurs de Dieu. Ils souffrent en ce temps de la fin. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. La Bible déclare que le Fils de l'homme a apparu afin de détruire
Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du monde des ténèbres, afin de les détruire. Alors je veux que tu te lèves ce matin, ce soir, autant pour moi, et que nous puissions faire cela. Soyez tous encore bénis au nom de Jésus. Dans le livre de Romains, après nous allons entrer dans la prière, je veux juste que nous puissions être focalisés dans l'esprit de ce que nous allons faire et le rôle que nous devons jouer. Soyez bénis. Dans le livre de Romains 8, à partir du verset 19, la Bible dit ceci. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Dans le verset 20, la Bible continue en disant, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons savoir une chose, c'est que la création, c'est quoi? La création, c'est le monde. La création, c'est l'humanité. Et l'humanité souffre. L'humanité souffre également. Et l'humanité attend que les enfants de Dieu puissent se révéler. En cette fin d'année, pendant les autres seront en train de seront submergés par le vent des fêtes. Les gens seront submergés par le vent de ce siècle, en fêtant, en allant dans les boîtes de nuit, en allant se pervertir dans des boissons. Bien-aimés, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te places à la brèche, c'est que tu élèves les mains vers le ciel et que tu dises, oh Seigneur, je veux que le rôle que tu m'as envoyé faire sur cette terre, je commence à le manifester. La Bible déclare que le monde, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation. Dieu attend que tu te révèles, bien-aimé. Le monde souffre parce que toi, tu ne te lèves pas dans la prière. Tu ne te lèves pas dans les jeûnes. Ta famille souffre parce que tu ne te lèves pas dans la prière. Tu ne te lèves pas dans les jeûnes. Et les satanistes ont pris le dessus. Les sorciers ont pris le dessus. Le monde des ténèbres a pris le dessus. Le diable a pris le dessus. Toute chose est mélangée, est bouleversée. Et les enfants de Dieu acclament. Les enfants de Dieu regardent les choses se dégrader. Au lieu de vanter même la force du Seigneur Jésus, ils sont en train de faire la propagande du diable. Ils ont plus peur du diable aujourd'hui. Parce que tu as éteint ta révélation. La Bible dit, le monde attend d'elle. La création attend d'elle. Avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, dans Daniel 10 ou Daniel 9, Daniel a regardé la captivité de son peuple. Il a dit, moi je vais prendre 21 jours et je vais jeûner. Je vais crier à l'Éternel. Je vais appeler à mon Dieu pour qu'il puisse venir à notre secours. Daniel a prié, il a jeûné. C'est pour cette raison le Seigneur également, en ce moment, t'interpelle du lieu là où tu es, du lieu où tu nous écoutes. Je veux que tu prennes cette résolution avec le plus grand sérieux, car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous devons nous mettre en prière. Nous devons jeûner. Nous devons crier au Seigneur. Nous devons nous révéler. Le monde souffre aujourd'hui. La sorcellerie a tout mélangé. Les sociétés secrètes ont tout mélangé. Alléluia, gloire à Dieu. Le diable s'est levé dans une autre dimension. Il a pris une autre vitesse maintenant. Les choses qu'on ne pouvait pas voir, il y a de cela 10 ans, 5 ans, ces choses sont devenues normales aujourd'hui. Parce que le diable est en train de gagner du terrain. Pendant que les enfants de Dieu sont en train plutôt d'augmenter dans la peur et dans la crainte. Bien-aimé, je veux que tu te lèves ce soir avec toute la rage, la sainte rage que Dieu peut te donner. Et tu dis non à Satan dans ma famille. Tu dis non à Satan dans mon village. Je dis non à Satan dans mon foyer. Je dis non à Satan dans ma propre vie. Assez, c'est assez. De la même manière, Daniel s'est levé pour tout le peuple d'Israël. Bien-aimé, tu vas te dire, peut-être c'est la tâche des pasteurs. Daniel n'était pas pasteur. Daniel, c'était un fonctionnaire à Babylone. Il s'est levé. Il a dit, moi, malgré le fait que je travaille, mais je vais jeûner. Malgré le fait que je travaille, mais je vais prier. Et je ne vais pas prier pour moi seul. Je vais prier pour tout le peuple d'Israël. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'à l'instant, le jour où il a eu à cœur,
il a eu à cœur. L'ange a été dépêché. L'ange Gabriel a été dépêché depuis le ciel pour venir apporter la solution à son jeûne et à sa prière. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vais te motiver. C'est pour te dire que ton jeûne n'est pas en vain. Ne minimise pas ta prière. Ne dis pas moi je suis quoi. Ne dis pas moi ma prière peut faire quoi pour ma nation. Ma prière peut faire quoi pour mon village. Ma prière peut faire quoi pour moi-même. Bien-aimé, c'est le diable qui te met ça à cœur. C'est le diable qui t'amène à te minimiser. Gloire à Dieu. Tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as un grand potentiel. En tant qu'enfant de Dieu, tu as une grande valeur. En tant qu'enfant de Dieu, tu as la capacité de commander à des légions d'anges de descendre. Et ils vont descendre. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Le jour où on l'avait attrapé, il a dit, ne suis-je pas capable de demander à mon Père 12 légions d'anges pour me défendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il a dit, ce que j'ai fait, quand je m'en irai, vous ferez des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Alors, soyez tous connectés de part et d'autre que vous êtes. Nous allons entrer dans ce temps de prière. Dans ce temps de prière, dans ce temps d'intercession. Nous devons savoir une chose, bien-aimés, c'est que la prière est la clé à toutes les solutions. La prière est la clé à toutes les solutions, à toutes les portes, bien-aimés. En tant qu'enfant de Dieu, la prière est un peu comme notre respiration. Un enfant de Dieu qui ne prie plus, n'arrive plus à respirer. Tu te fais asphyxier par le diable, bien-aimés. Et je veux que par ce moment de 21 jours de jeûne et de prière, que quelqu'un puisse encore retrouver sa vie chrétienne comme avant. Dieu va visiter des vies. Dieu va visiter des personnes. J'en suis convaincu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons commencer par bénir le nom du Seigneur. Tu vas de là où tu es, bien-aimé, peuple de Dieu, nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons le glorifier. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as choisi en ce temps de la fin, en ce temps de fin d'année, pour pouvoir prier, mettre mes genoux au sol. C'est un privilège. Je te bénis encore pour le souffle de vie, pour la grâce que tu me donnes, la paix que tu me donnes, pour le choix que tu as fait de ma personnalité. Bien-aimé, je veux que tu élèves tes deux mains et que tu commences à prier. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Père éternel, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Qui sommes-nous? Tu nous as choisi, Seigneur, pour pouvoir interpeller le monde entier. Tu nous as choisi, Seigneur, pour pouvoir réveiller des personnes qui s'endorment. Père éternel, nous te disons encore merci. Papa Yahweh, nous te prions encore. Descends encore dans nos vies. Manifeste ta puissance. Bien-aimé, élève la voix, prie. Prie le Seigneur. 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 Dieu attend ta prière. Dieu attend que tu puisses ouvrir ta bouche et que tu commences à proclamer, à déclarer. La Bible déclare que le pouvoir de la mort et de la vie est sur ta langue. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à proclamer. Commence à prier. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à invoquer la présence de Dieu là où tu es. Commence à dire au Seigneur Jésus-Christ, Papa, je lève mes yeux vers toi ce soir et je crie à toi maintenant. Je crie à toi maintenant. Je crie à toi maintenant, bien-aimé. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu utilises mes yeux pour voir la souffrance de l'humanité. Je veux que tu utilises mes oreilles pour entendre comment l'humanité est tellement pervertie. Seigneur, je veux que tu utilises même mon corps, mon âme, pour ressentir la souffrance des hommes. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ s'est toujours choisi des personnes dans des générations, dans des familles, dans des siècles, pour pouvoir faire ton œuvre. Bien-aimé, Dieu veut se servir de toi en ces 21 jours. Il a une œuvre à faire, mais il t'interpelle. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta prière. Élève ta voix, commence à lui dire ces choses. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es redoutable. Merci parce que tu es souverain. Nous te disons merci pour ce temps que tu disposes, afin que nous puissions élever les voix vers toi. Comme un seul homme, nous puissions élever les voix vers toi. Nous puissions crier à toi, Seigneur. Nous puissions crier à toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, parce que tu es le Dieu redoutable. Au nom de Jésus-Christ,
de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. En ce moment, avant d'entrer dans un champ de bataille avec celui-là qui est saint, avant d'entrer dans un champ de bataille avec celui-là qui manifeste la sainteté à un certain niveau, nous avons besoin de nous sanctifier nous-mêmes. Nous avons besoin de nous purifier nous-mêmes. C'est pour ces raisons, bien-aimés, je voudrais qu'en ce moment, tu fléchis tes genoux là où tu es. Peuple de Dieu, fléchissons les genoux et commence à demander pardon à ton Dieu. Commence à lui demander pardon. Commence à lui demander pardon. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je sais que je ne suis pas juste. Je sais que je ne suis pas bon. Je sais que ma conduite peut me disqualifier à un certain niveau. Je prie maintenant que tu me pardonnes. Je prie maintenant que tu me pardonnes. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, je prie que tu pardonnes ma rébellion, ma désobéissance, ma méchanceté, mon hypocrisie, mon égocentrique. Demande au Seigneur le nombre de fois tu as jugé d'autres personnes de manière injuste. Bien-aimé, et demande pardon à ton Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Que ce soit, que le diable ne trouve aucune occasion de chute pour toi, pour t'accuser, pour stopper ta prière, pour bloquer ta prière, bien-aimé. Je veux que tu te fléchisses les genoux. Tu commences encore à demander pardon à ce Dieu merveilleux, ce Dieu créateur, ce Dieu qui a donné sa vie pour toi. Il a versé son sang pour toi. Bien-aimé, je veux que tu lui demandes pardon. Élevons les voix. Seigneur, merci Père, parce que tu es le Dieu vivant, parce que tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu sans pareil. Papa, nous te disons merci. Nous t'exaltons et nous te glorifions. Reçois la gloire. Nous te demandons pardon, Seigneur. Tu nous donnes le souffle de vie de manière gratuite. Tu nous donnes la santé gratuitement. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu nous bénis même. Dieu de gloire, Dieu de paix. Dieu de, tu nous maintiens en vie pendant que d'autres sont couchés dans des morts. Pendant que d'autres sont totalement paralysés. Pendant que d'autres, Seigneur Jésus-Christ, mais ce que nous te donnons en retour, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude, Seigneur, parce que tu nous as créés pour t'adorer. Père éternel, il y a des moments auxquels nous t'abandonnons, nous faisons ce que nous voulons. Nous marchons dans la transgression, nous marchons dans le péché. Nous marchons, Seigneur Jésus-Christ, dans des choses qui ne te plaisent pas. Nous le savons, mais nous le faisons. Ce soir, d'un cœur sincère, nous te supplions de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus maintenant. Que le sang de Jésus, car la Bible déclare dans Apocalypse 12, ils ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage et du sang de l'agneau. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ descend maintenant dans ta vie. Invoque le sang de Jésus. Que ce sang descende maintenant dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta chair, dans ton âme, dans ta nation, dans ton village, dans ta maison, dans ta vie. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth te purifie maintenant, te sanctifie maintenant, te lave encore, te rend pur et agréable devant celui qui t'a créé, te rend pur et agréable devant celui qui t'a enrôlé, celui qui t'a envoyé sur cette terre, bien-aimé. Élève ta voix, commence à prier. Ô Seigneur Jésus, en ce moment, Père, j'invoque maintenant ton précieux sang, le précieux sang qui a coulé depuis 2000 ans. Ce sang-là, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a purifié l'humanité entière de toutes sortes d'abominations et de péchés. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth descende encore maintenant dans nos vies, Seigneur. Que le sang de Jésus descende, descende encore, 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 descende encore en puissance dans nos vies pour nous sanctifier, pour nous purifier. Que le sang de la victoire vienne encore nous accorder la victoire. Que le sang de la victoire vienne encore nous sanctifier maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Que l'amour du Tout-Puissant soit également votre partage. Bien-aimés, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, je veux vous demander, bien-aimés, de partager ce direct. Partagez ce direct au maximum, bien-aimés, parce que au travers de ce direct, Dieu veut faire un travail. Tu peux sauver une vie, bien-aimés. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière. Cette prière-là, c'est bien-aimé, ce n'est pas pour toi seul. Ce n'est pas pour toi seul, c'est aussi un moyen pour toi d'évangéliser. C'est aussi un moyen pour toi de répandre l'évangile. Si tu as des connaissances, partage ce direct, bien-aimé, et tu vas voir, le ciel va se réjouir en ta faveur. Soyons encore bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, en ce moment, nous allons une fois de plus demander une fois de plus que la présence de Dieu,
Que la présence de Dieu descende maintenant au milieu de nous. Que la présence de Dieu descende dans nos vies. Bien-aimés, que la présence de Dieu descende maintenant. Quand tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, que ta présence descende dans ma nation, que ta présence descende dans ma vie, dans ma maison, dans mon église même, que ta présence descende. Bien-aimé, la Bible déclare que s'il y a des hommes pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Dieu attend que tu élèves ta voix afin que l'exaucement doit suivre. Allez, allez, au nom de Jésus, élevons les voix. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous prions maintenant au nom de Jésus, Père, que ta présence commence à descendre, que ta présence commence à descendre, que ta présence commence à descendre, que ta présence commence à descendre. En cette fin d'année, Seigneur, en cette fin d'année, Seigneur, en cette fin d'année, Seigneur, les hommes ont longtemps vu rien que la présence des abominations, la présence du diable, la présence de la méchanceté, la présence des démons, la présence de la mort, Bien-aimé, Seigneur Jésus, nous te supplions maintenant, fais descendre ta présence maintenant dans cette nation. Fais descendre ta présence dans ma famille. Fais descendre ta présence dans nos églises, Seigneur Jésus. Fais descendre ta présence maintenant dans nos vies. À partir de cet instant, quand c'est fin d'année, Seigneur, nous ressentons encore davantage ta présence, Seigneur. Que ta présence s'intensifie encore davantage dans nos vies. Parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu puissant. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant, nous crions à toi, nous prions en ce moment que tu descendes maintenant, tu descendes maintenant, tu descendes maintenant, tu descendes maintenant. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Parce que tu as dit dans ta parole, dans le livre de Jean chapitre 15, tu as dit, je suis le sceptre, vous êtes le sarment, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Descends maintenant ce temps d'intercession. Descends maintenant ce temps, Père de délivrance. Descends maintenant ce temps de, mon Dieu et moi, de prière. Mon Dieu et mon roi, pour tout le monde entier. Ne descends pas seulement en Côte d'Ivoire. Ne descends pas seulement que ce soit en France. Ne descends pas seulement que ce soit en Belgique. Ne descends pas seulement que ce soit aux États-Unis. Mais envahis le monde entier, Seigneur. 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 Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Élève la voix, élève la voix. Peuple de Dieu, élevons les voix vers le Seigneur. Élevons les voix vers le Seigneur. Disons à notre Dieu qu'il descende. Demandons à notre Dieu de descendre. La Bible déclare que Daniel avait prié. Daniel a prié. La présence de Dieu était descendue. Dieu a envoyé son représentant auprès de Daniel, l'ange. L'ange Gabriel, il est descendu. Il n'a pas abandonné Daniel. Il n'a pas abandonné dans ses jeûnes. Il n'a pas abandonné dans les prières. Il est descendu. Il est descendu. Que quelqu'un s'identifie à Daniel ce soir. Que quelqu'un se lève comme Daniel s'est levé. Et a dit non. Je ne veux pas regarder les choses comme les autres. Je ne veux pas acclamer Satan comme les autres. Je ne veux pas embrasser la souffrance comme les autres. Bien-aimé, élève la voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Dis-lui, Papa, descends. Seigneur Jésus, descends. Seigneur, je crie à toi, descends maintenant. Seigneur, je crie à toi, descends. Je t'invoque maintenant, descends, descends. Descends, descends. Dis-lui, Seigneur, descends. Seigneur, descends. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, ce que nous devons savoir, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, le meilleur moment auquel on se reconnaît, le meilleur moment auquel on est au maximum de notre potentiel, c'est pendant que nous sommes en train de parler à notre Dieu. C'est pendant que nous sommes dans la présence de notre Dieu. La présence de notre Dieu nous rend des personnes spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels. C'est pour cette raison que la Bible peut dire que le monde attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut se révéler au monde au travers de toi. Mais comment il va faire? Il va passer par ta bouche. Il va passer par les prières que tu vas élever en ce jour. Alléluia. Soyez encore bénis au nom de Jésus. De là où vous êtes, peuple de Dieu, nous allons encore élever les voix vers le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, à partir de cet instant, que Seigneur, ce soir, je me lève également comme Daniel s'est levé. Je me lève également
comme Daniel s'est levé, il a pris un moment de 21 jours de jeûne et de prière. Il a regardé son peuple souffrir. Il a regardé le peuple d'Israël être esclave. Il a regardé les enfants d'Israël pleurer tous les jours. Il a regardé comment est-ce qu'ils n'arrivaient plus à servir le véritable Dieu. On les forçait à servir d'autres dieux, des dieux étrangers. Bien-aimé, ce soir, tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur, fais descendre également ta puissance à moi. Mets ton feu dans ma bouche, Seigneur. Mets ta puissance maintenant à moi. Afin que lorsque je vais parler, lorsque je vais me lever dans la prière, que les choses extraordinaires puissent commencer à se produire. Que ce soit dans ma nation, que ce soit dans mon église, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon quartier et dans tout le monde entier, qu'au travers de ma bouche, Seigneur, que le monde soit embrasé par ta puissance. Élevons les voix, prie le Seigneur bien-aimé. Commence à élever la voix. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu vivant et le Dieu redoutable. Tu es le Dieu sans pareil. Bien-aimé, élève la voix. Bien-aimé, élève la voix. Bien-aimé, élève la voix. Dis au Seigneur de te transformer maintenant. Dis au Seigneur de te transformer maintenant. Que lorsque ta voix va retentir dans le monde des ténèbres, que ce ne soit plus ta voix, que ce soit semblable maintenant à un cri de lion. Que lorsque ta voix va retentir dans les lieux auxquels le diable avait pris le contrôle, que ta voix soit accompagnée d'une grande autorité. Que d'une grande autorité, que ce ne soit plus toi. Dis Seigneur, mets ton feu dans ma bouche. Seigneur, revêtis-moi maintenant de ta puissance. Revêtis-moi maintenant de ta gloire. Revêtis-moi maintenant de ta grâce. Revêtis-moi encore. Revêtis-moi encore. Revêtis-moi. Élève la voix bien-aimée. Élève la voix bien-aimée. Prie normalement. Prie convenablement. Prie véritablement bien-aimée. C'est un temps de prière. C'est le temps de prière. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Nous sommes dans le combat spirituel. Nous sommes dans l'intercession. Nous sommes dans les prières de délivrance. Ce n'est pas pour toi et moi, mais c'est pour tout le monde entier, bien-aimé. Le monde compte sur toi ce soir. Le monde compte sur toi, bien-aimé. Élève ta voix et commence à crier au Seigneur. Dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mets à moi une parole, Seigneur, une parole autorisée dans le spirituel. Que quand je parle, que la mer respecte. Quand je parle, que le ciel entende. Quand je parle, que l'enfer tremble. Quand je parle, oh Seigneur Jésus, bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance maintenant. Seigneur, 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 manifeste ta puissance maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom souverain puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons revenir dans ce verset biblique. Ce verset biblique qui dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu. Bien-aimé, ce que nous devons faire, ce dont nous allons faire ce soir, c'est de détruire les œuvres du monde des ténèbres, les œuvres du diable. Bien-aimé, ton ennemi n'est pas ton frère. Ton ennemi n'est pas le sorcier. Le sorcier est un agent, est une marionnette que le diable est en train de se servir pour pouvoir accomplir ses desseins. Ce que tu dois savoir, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, notre véritable ennemi, notre véritable problème, c'est le diable. Et rien que le diable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est pour cette raison, la Bible déclare que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire. Et cette lourde responsabilité, bien-aimé, ce soir, t'incombe également. Toi également, tu dois détruire ce que ton maître a eu à détruire. Alléluia. Alors nous allons élever les voix maintenant. Et nous allons prier le Seigneur. Qu'en ces temps de fin d'année, tout ce que le diable a positionné dans le monde entier, que ce soit dans les pays,
que ce soit dans ton village, que ce soit dans les nations, et même dans les églises, ce qu'il a positionné afin d'empêcher les enfants de Dieu de pouvoir servir leur Dieu, de pouvoir être épanouis, de pouvoir être à l'aise. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Le diable parfois peut instaurer, il va installer la sorcellerie, il va installer les maladies, il va installer les pestes, il va installer les maladies, les épidémies. L'autre fois, il y a de cela quelques années, on a souffert d'une terrible épidémie. On a souffert, gloire à Dieu, peuple de Dieu, on a souffert de coronavirus. Ça a créé des problèmes dans tout le monde entier. Bien-aimé, c'était pourquoi? Parce que des hommes n'intercédaient pas. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de neutraliser les œuvres du diable afin que, avant qu'elles ne puissent voir le jour. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, que les œuvres de la sorcellerie, que les œuvres du monde des ténèbres, les épidémies, les maladies, que les œuvres sataniques qu'il a positionnées, même les hérésies, le diable soulève des hérésies pour empêcher les enfants de Dieu de marcher selon la sainte doctrine. Bien-aimé, élève la voix, commence à prier, commence à dire au Seigneur que toutes ces choses-là soient détruites maintenant, soient détruites maintenant, soient détruites maintenant, soient détruites maintenant. Élève la voix, de là où tu es, bien-aimé. Pendant que tu élèves la voix, pendant que tu es en train de prier, ton Dieu est en train de réaliser aussi pour toi. Pendant que tu cries au Seigneur, pendant que tu cries au Seigneur, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Élève ta voix, bien-aimé, et parle à ton Dieu. Dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je me lève contre la sorcellerie qui paralyse ma vie, qui paralyse ma famille, qui paralyse mon église, qui paralyse ma nation. Je me lève, Seigneur, contre le satanisme dans tout le monde entier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le satanisme, le satanisme, le satanisme, le satanisme, le satanisme. Je me lève contre ces choses. Je me lève contre ces choses. Je me lève, Seigneur Jésus, contre l'animosité, contre la prostitution, contre la bestialité. Les hommes qui couchent avec des hommes, les femmes qui couchent avec des femmes, selon la Bible, ce n'est pas biblique, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, crions à notre Dieu. Sodome et Gomorre a été détruit à cause de telles abominations. Bien-aimé, élève la voix. Aujourd'hui, le diable veut imposer cela comme si c'était normal. Comme si c'était normal, comme c'était normal. Bien-aimé, élève la voix, bien-aimé. Commence à dire au Seigneur, je dis non à ces choses, mon Dieu. Je dis non à ces choses, mon Dieu. Tous les démons en enfer, tous les démons qui sont de l'enfer, tous les démons qui sont des eaux. Rab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 a, rabababababa, rebosa cantarabre, la mazobra cantara, le cantarabros calibré, 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 calibré. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis Seigneur Jésus, dis Seigneur Jésus, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la malédiction, les œuvres des eaux, les œuvres sataniques, les œuvres sataniques. Je me lève ce soir, je me lève ce soir. Comme Daniel s'est levé, il a dit non, il a dit non. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne va plus se passer comme ça. Ça ne va plus continuer comme ça. Ça ne va plus continuer comme ça. Élève la voix. 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 Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous commandons maintenant les œuvres, Seigneur Jésus-Christ, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres des sirènes des eaux, les œuvres de la perversité, les œuvres, Dieu de gloire, Dieu de paix, mon Dieu et mon roi, des satanismes dans le monde entier, les nouvelles maladies même que le diable était en train de programmer pour faire souffrir l'humanité, pour faire souffrir le monde entier. Oh Seigneur Jésus, mon Dieu et mon roi, mon Dieu et mon roi, mon Dieu et mon roi, bien-aimé, tu vas prier, élève la voix. Commande le feu maintenant. Si les laboratoires du monde est ténèbres, les laboratoires du monde est ténèbres, les laboratoires, là ils sont en train de préparer de nouvelles maladies pour faire souffrir les gens, de nouvelles maladies pour faire mourir les gens, pour les envoyer en enfer. Bien-aimé, élève la voix. Bien-aimé, élève la voix. Bien-aimé, élève la voix. Bien-aimé, élève la voix. Nous sommes dans notre temps.
Nous sommes dans la prière de combat. Nous sommes dans un temps d'intercession. Nous sommes dans un temps de la délivrance de l'humanité entière, du monde entier. Bien-aimé, n'aie pas peur de ce thème. Notre Dieu est avec nous. Notre Dieu, il est avec nous. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix et crie au Seigneur. Dis papa non, Seigneur non, nous refusons ces choses, nous refusons ces maladies, nous refusons la souffrance, nous refusons Seigneur Jésus, nous refusons cela, nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis encore dans le puissant nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur vous, bien-aimés. Je voudrais que quelqu'un commence à acclamer pour son Dieu. Commence à acclamer pour ton Dieu. Là où tu es assis, là où tu es, peuple de Dieu, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés. Car le Seigneur est en train de travailler. Le Seigneur est en train de travailler. Tu dois te réjouir. Et tu dois te réjouir parce qu'il a trouvé digne d'utiliser ta bouche. Tu dois te réjouir parce qu'il a trouvé digne d'utiliser ta voix, d'utiliser ton corps pour pouvoir intervenir dans le monde qu'il a abandonné, dans l'humanité qu'il a tourné le dos. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur passe par toi pour faire un travail. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, bien-aimé, toujours dans ce même lancer, nous allons continuer à prier le Seigneur. Nous allons continuer à dire au Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu élèves encore la voix et que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur Jésus, en cette fin d'année-ci, il y a des hommes qui sont en captivité sous la mer. Il y a des hommes que le diable a rendus captifs, captifs du monde des ténèbres. Les hommes que la sirène des eaux a enchaînés. Les hommes que le diable a enchaînés. Les hommes que la sorcellerie a enchaînés. Ils ne sont plus maîtres de leur vie. Oh bien-aimé, je veux que tu pries avec toutes tes forces par rapport à ce sujet de prière. Il y a des hommes qui sont enchaînés. Il y a des hommes qui sont liés. Il y a des hommes qui sont devenus des pantins, qui sont devenus des marionnettes du monde des ténèbres. En ce jour, en ce temps de la fin, en cette fin d'année, bien-aimé, je veux que tu élèves ta voix. Que les anges, que la puissance de Dieu arrive sous la mer. Que la puissance de Dieu arrive dans le monde de la sorcellerie. Que la puissance de Dieu arrive maintenant dans le monde de l'enfer. Et que tout cela qui était lié là-bas, qui était captif là-bas, que ces captifs soient maintenant libérés. Qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés. Élève la voix, prie le Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rabobobobobo, Rekontarabre, Lamaza Kantarabro, Zakantarebros Karabro, Le Karabros Kantarabra, Malia Bros Kantarebre. Bien-aimé, élève la voix, commence à dire au Seigneur, papa, Seigneur, tout cela que la sirène des eaux a lié ça sous la mer. Tout cela que la sirène des eaux a lié sous la mer en cette soirée, Père éternel, je lève la voix maintenant. Que la mer se fende comme au temps de Moïse. Que la mer se fende comme au temps de Moïse. Que la mer se fende comme au temps de Moïse. Que la mer se fende. Que la mer se fende. Qu'elle renvoie les captifs maintenant. 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 Tous les serviteurs de Dieu qui avaient été liés sous la mer. Les membres de ta famille qui avaient été liés sous la mer. Des relations, des enfants, les membres de ta famille. Bien aimé, je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Élève la voix. 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 Que les chaînes tombent. 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 Rab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 a. Rebrosa cantarabros. Racantarabré. Bien-aimé, prie le Seigneur. La Bible déclare qu'on avait attrapé Pierre. On a attrapé un homme de Dieu. Il s'appelait Pierre. On l'a mis dans la prison. On l'a enchaîné. Il y a des hommes de Dieu qui sont enchaînés. Il y a des enfants de Dieu qui sont enchaînés. Ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés. Comment ça aide les libérer les ténèbres. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix.
Élève ta voix, bien-aimé. Rabababa. Malébroska. 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 Rakante. Rakoriabre. 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 Oh Seigneur, l'humanité souffre. Les hommes souffrent. Le monde entier souffre. Il souffre, Seigneur. Il souffre, Seigneur. Libère le 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 Seigneur. Brise la chaîne. 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 Casse tout. Casse tout. Casse tout. Libère la vie. Libère la vie. Libère la. Libère la. Libère la. Libère la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Soyez encore bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans le combat. Nous sommes dans la bataille. Dis à ton frère, nous sommes dans la bataille. Nous disons non à ces choses. Nous disons non à ces choses. En cette fin d'année, nous refusons encore. Nous refusons encore de voir les mêmes choses. Nous nous levons ce soir. Comme Daniel s'est levé, il a dit non. Il a dit non. J'ai déjà trop vu ça. J'ai déjà trop vu ça. Faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose. Faut que je me lève. Faut que je me lève. Faut que je me lève. Faut que je crie à Dieu. Faut que je crie à Dieu. C'est de la même manière. Tu cries à Dieu ce soir. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Bien-aimé, on va encore prier. Nous allons élever ce sujet de prière. Tu vas encore dire au Seigneur, à partir de cet instant, que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions maintenant que tout ce qui était comme, tout ce qui était comme hérésie, alléluia, tout ce qui était comme hérésie, tout ce qui était comme fausse doctrine, bien-aimé, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Le diable ayant compris cette capacité, ayant eu cette révélation, il ne combat pas seulement avec la sorcellerie, il ne combat pas seulement avec des démons, mais il combat aussi avec des mauvaises doctrines. Il combat aussi avec des mauvaises doctrines, des hérésies, des mauvaises révélations. Alors ce soir, alléluia, 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 alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Nous allons élever les voix et nous allons dire au Seigneur, tout le peuple de Dieu qui s'en va en enfer à cause des mauvaises doctrines, à cause des mauvaises, à cause de l'ignorance. Ce soir, disons au Seigneur que toutes ces fausses doctrines-là ne marchent plus dans son église. Ne marchent plus dans son église. Sois rejeté maintenant. Sois rejeté maintenant. Qu'il y ait des anges maintenant qui bloquent toutes ces mauvaises doctrines dans les oreilles de ses enfants. Que cela soit comme de la merde. Que cela soit comme de la boue. Que cela soit comme des vomissures. 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 Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Oh Seigneur Jésus. Papa, nous te supplions maintenant. Papa, nous te supplions maintenant. Papa, nous te supplions maintenant. Oh mon Dieu, la Bible déclare que mon peuple périt. Faute de connaissance, faute de connaissance, faute de connaissance. Ton peuple, Seigneur, qui s'en va en enfer. Ton peuple, Seigneur, qui est dans la perdition. Faute de connaissance, à cause de fausses doctrines, des mauvaises doctrines, des mauvaises doctrines, des mauvaises doctrines. Les doctrines sataniques, les doctrines sataniques, les doctrines sataniques, les doctrines apocryphes. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, agis maintenant. Agis maintenant. Oh Dieu, agis Seigneur. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Révèle-toi à tes enfants. Révèle la vérité. Révèle la vérité. Révèle la vérité. La Bible déclare, tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. Ils ont besoin de la vérité. Oh Jésus. Élève la voix bien-aimée. Élève la voix bien-aimée. Élève la voix bien-aimée. Élève la voix bien-aimée. Les hommes qui sont enchaînés dans l'ignorance, le diable
enchaîné. Le diable a mis des voiles. Des voiles d'ignorance. Les voiles d'ignorance. Oh Dieu. Oh Dieu. Agis papa. Seigneur agis. Seigneur agis. Rabababababa. Rebrosa kante. Ramazebro. Rakante rebre. Rakarabro. 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 Seigneur Jésus, ton peuple souffre. Ton peuple souffre. Ton peuple souffre. Ton peuple souffre. Ton peuple meurt. Ton peuple périt. Faute de connaissance. Regarde le monde entier. Regarde le monde entier. Regarde le monde entier. Regarde le monde entier. Oh Dieu. Regarde le monde. Regarde le monde. Le monde périt. Le monde souffre. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Les fausses doctrines. Détruis ton peuple. Les fausses doctrines. Détruis ton peuple. Papa, papa. Oh mon Dieu. Mon Dieu de mon roi. Même terme à ça. Même terme à ça. Même terme à ça. Même terme à ça. Même terme à ça, Seigneur. Rabroska, terrible. Rakanta Rabroska. Ramazaka, terrible. Rabroska, terrible. Rakanta Rabro. Rakanta Rabro. Rakanta Rabro. Rakanta Rabro. Rakanta Rabro. Rakanta Rabro. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. C'est pas terminé. Prie encore. Je dis prie encore. Je dis prie encore. Je dis prie encore. Les mauvaises doctrines. Les mauvaises doctrines. Les mauvaises doctrines. Les mensonges. Les mensonges. Les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Oh mon Dieu. Qu'on fait avaler à tes enfants. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Rabababababa, Rabuskan cerebré, Ramazubraskante, les cantarabro, les cantarabro, bré 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 bré, les mazakante ya konta, konta konta, kontarabra, kontarabra, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Bien-aimés, les sujets de prière ne sont pas donnés par hasard. Regardez le nombre de personnes qui meurent à cause des fausses doctrines. Regardez le nombre de personnes qui abandonnent la foi, qui abandonnent Jésus. Bien-aimés, parce qu'on ne les dit pas la vérité. Dieu nous fait porter ce fardeau ce soir. Dieu nous fait porter ce fardeau ce soir. C'est pour ces raisons que nous allons répéter ce sujet de prière encore. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, toutes les fausses religions, toutes les fausses églises, tous les faux prophètes, tous les faux serviteurs de Dieu, que le diable fait sortir de la mer, il fait sortir de la sorcellerie, il fait sortir, mon Dieu et mon roi, des sectes pernicieuses pour amener les enfants de Dieu à l'enfer. Ils apportent des mauvaises doctrines à l'église pour distraire le corps de Christ. En ce temps de la fin, bien-aimé, ce n'est plus le temps de la distraction. C'est le temps de la concentration. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est sur le chemin du retour. Il est sur le chemin du retour. Alors, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur que toutes ces fausses doctrines qui font amener les gens à la dérive, bien-aimé, élève encore tes deux mains vers le ciel et dis au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je t'en supplie, élimine toutes ces fausses doctrines, Seigneur. Mon Dieu et mon roi, cet évangile dilué qui détruit le corps de Christ aujourd'hui. Paul a dit, je prêche son évangile sans la diluer. Paul a prêché une évangile authentique. L'évangile de la sanctification. L'évangile de la sainteté. L'évangile qui ramenait les âmes à la nature de Jésus. Car la Bible déclare, recherchez la paix avec tous. Et par-dessus tout, la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Bien-aimé, disons au Seigneur que Seigneur Jésus suscite encore abondamment de serviteurs de Dieu
qui vont amener ton peuple à la sanctification. Qui vont amener ton peuple à la sanctification. Et viens encore éliminer tous ces serviteurs du diable, ces serviteurs de Satan qui amènent ton peuple à la distraction. Bien-aimé, élevons les voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur là, bien là où tu es bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Oh Jésus, tu as dit dans ta parole, mon Dieu et mon roi, la moisson est grande, mais les serviteurs sont peu. Seigneur Père, nous te supplions, suscite encore davantage des serviteurs qui vont amener ton peuple à la sanctification, 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 à la libération, à la libération, à la délivrance, à la délivrance, à la délivrance. Éternel des armées, éternel des armées, ceux qui se lèvent avec la discrétion pour pervertir tes enfants, pour pervertir, pour les dérouter, pour les distraire. Oh Seigneur, rabababababa, rebrosa kante, raconta rabroska, lebrosa kanta, male kanterea, zakunta rebre, zakanta rebre, zakanta rebre. Seigneur Jésus, agis encore papa. Les distractions, ce qui apportait ces serviteurs de Dieu qui venaient avec la distraction dans ton église, ce n'est plus le temps au sommeil, ce n'est plus le temps à la distraction, ce n'est plus le temps à la distraction, ce n'est plus le temps à l'amusement. Tu es de retour, tu es de retour, tu es de retour, tu es de retour. Seigneur Jésus, réveille ton peuple. Réveille ton peuple, Seigneur. La Mazobraska. Peuple de Dieu, prions. Peuple de Dieu, élève ta voix. Regardez ce que les faux prophètes font. Regardez ce que les faux serviteurs font. À cause d'eux, on se moque de Jésus. À cause d'eux, on se moque de l'église. À cause d'eux, l'église est choisie aujourd'hui. Bien-aimé, prie le Seigneur. 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 À cause de ces fausses serviteurs de Dieu, à cause de ces fausses doctrines, les gens ne cherchent plus le ciel. Les gens ne se soucient plus du ciel. Les gens ne se soucient plus de l'éternité. Oh Dieu, papa, manifeste ta puissance. Papa, manifeste ta puissance. Éternel, mon Dieu et mon roi, manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Bien-aimé, ferme tes yeux, commence à prier. Bien-aimé, ferme tes yeux, prie le Seigneur. Bien-aimé, ferme tes yeux, prie le Seigneur. 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 Il y a des gens quelque part qui n'ont jamais entendu parler de la sanctification. Il y a des gens quelque part. 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 Il y a des gens quelque part qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Il y a des gens quelque part. Il y a des gens quelque part qui marchent dans des doctrines de mensonges, les doctrines des démons. Les doctrines des démons, 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 les doctrines qui sont des sociétés secrètes, des doctrines sataniques, des choses qu'on ne voit pas dans la Bible, les doctrines qui ne sortent pas dans la Bible, on les enseigne dans des églises, on ne sait pas à quoi ça sert aux hommes, on ne sait pas à quoi ça sert aux hommes. Bien-aimé, élève ta voix, commence à dire au Seigneur Jésus,
Seigneur, ouvre les yeux de ce peuple. 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 Seigneur, ouvre les yeux. 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 Élève la voix, frère. Élève la voix, frère. Élève la voix, sœur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut ouvrir les yeux à quelqu'un. Au travers de ta prière. Au travers de ton cri. Au travers de ton cri. Au travers de ton cri. Dieu a visité le peuple d'Israël. Au travers des cris de Daniel. Au travers des cris de Daniel. Au travers des cris de Daniel. Parce que la Bible déclare que s'il y a des hommes pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Il y a un Dieu pour exaucer. S'il y a des hommes pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Bien-aimé, je vais te dire, ta prière est accompagnée d'un grand exaucement. Ta prière est accompagnée d'une grande récompense. Je veux que tu ne cesses pas de prier. Je veux que tu ne cesses pas de prier. Je veux que tu ne cesses pas de prier. Je veux que tu ne cesses pas de prier. Que tu élèves ta voix. Que tu élèves ta voix. Que tu élèves ta voix. Et que tu dises au Seigneur. Tu dises au Seigneur Jésus. Tu dises au Seigneur Jésus. En cette soirée, papa, je suis comme Daniel. Je suis le Daniel de mon pays. Je suis le Daniel de ma famille. Je suis le Daniel de ma famille. De mon village. Je suis le Daniel de mon église. Quand je balade mes regards. Quand je regarde les choses, quand je regarde l'humanité, Seigneur, je vois comment l'humanité souffre. Je vois que rien ne va, ça ne va pas. Même dans l'église, ça ne va pas. Seigneur Jésus-Christ, je lève les voix vers toi maintenant. Je lève les mains vers toi maintenant. Seigneur, descends, fais quelque chose. Bien-aimé, élève la voix. Dis à Seigneur Jésus, Seigneur, descends, fais quelque chose. Seigneur, descends, fais quelque chose. Papa, descends, fais quelque chose. Papa, descends, fais quelque chose. Regarde ce désordre, Père. Et regarde tout ceci, Seigneur. Seigneur Jésus, descends. Seigneur Jésus, descends. Viens secourir ton peuple. 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 Rabababababababa. Rebrosa cancerebre. Oh bien-aimé, là où tu es, si tu peux prier en pleurant, prie. Si tu peux prier en tapant les mains, prie. Si tu peux prier en tapant les pieds, prie. Si tu peux prier, bien-aimé, élève la voix. Je veux juste que tu pries le Seigneur. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur Jésus, regarde au monde entier. Regarde à l'humanité. Regarde à l'église. Regarde à ma famille. Regarde à la société. Regarde à mon pays. Rien ne va, Seigneur. Rien ne va, Seigneur. Les hommes cherchent les solutions avec la science. Les hommes cherchent les solutions avec leur intelligence. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Cette fois, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi. Et nous crions à toi, Seigneur. 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 Toi seul est la solution. 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 Élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Là où tu es, si tu peux pleurer en priant ton Dieu, bien-aimé, si tu peux te prosterner devant lui, prosterne-toi. Dis-lui, mon Dieu. Dis-lui, mon Dieu. Dis-lui, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Quel est le sort de l'homme sur la terre? Quel est le sort de l'homme sur la terre? Quel est le sort de l'homme sur la terre? Quel est le sort de l'homme sur la terre? Élève ta voix bien-aimée. Élève ta voix bien-aimée. Élève ta voix bien-aimée. Élève la voix bien-aimée. Le gouvernement est incapable de résoudre tous ces vices. Tous ces vices qui sont en train de détruire la société, qui sont en train de détruire l'humanité. Les enfants de Dieu doivent faire quelque chose. Les enfants de Dieu doivent s'élever. Les enfants de Dieu doivent s'élever. Les enfants de Dieu doivent élever leur voix. Les enfants de Dieu doivent appeler le Créateur. Doivent appeler le Créateur. Doivent appeler le Créateur. Doivent appeler le Créateur. L'alpha et l'oméga. Il dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis le commencement et je suis la fin de toutes choses. Bien-aimé, appelle cet homme. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Rien ne peut le maîtriser. Personne ne peut le contenir. La Bible déclare qu'il fait du ciel son trône.
trône et la terre, et la terre, et la terre, et la terre, et la terre sont marche-pied. Elles sont marche-pied. Toute puissance lui a été soumise. Toute chose lui a été soumise. La Bible déclare, toute chose lui a été soumise. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et toute langue, toute langue, toute langue. Viens de me prier le Seigneur. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle à ton Dieu. Appelle à ton Dieu. Appelle à ton Dieu. Appelle à ton Dieu. Regarde à ta famille. Regarde à ta société. À ton pays. Appelle ton Dieu. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Toi seul peux arranger ça. 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 Rabababababa. 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 Bien-aimé, lève la voix. Bien-aimé, lève la voix. Bien-aimé, lève la voix. Bien-aimé, lève la voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Dis à ton Dieu, Seigneur Jésus, je veux que ton évangile, je veux que ton évangile touche les cœurs. 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 Touche les cœurs. Touche les cœurs. Ramène des âmes à toi. Ramène des âmes à toi. Ramène des cœurs à toi. Aujourd'hui, les cœurs se pensent à la richesse. Les cœurs se pensent au plaisir de ce monde. Les cœurs se pensent même vers les sociétés secrètes. Les hommes, les hommes, les hommes se tournent vers la sorcellerie, vers le maraboutage, vers ces choses occultes, les sciences occultes. Ils abandonnent leur Dieu. Bien-aimé, prie le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur bien-aimé. Bien-aimé. Paul a dit à Timothée, Timothée mon fils, sache que dans les derniers jours, les temps et les hommes seront difficiles. Les hommes seront difficiles. Paul a dit à Timothée, Timothée, sache que dans les derniers temps, les gens seront difficiles. Les gens seront difficiles. Les jours seront difficiles. La méchanceté va augmenter. L'hypocrisie va augmenter. Les meurtres vont augmenter. La désobéissance va augmenter. Commence à prier le Seigneur. Dieu, Seigneur Père, Papa, nous te supplions. Nous te supplions. Ces mauvaises choses des derniers temps. Ces mauvaises choses des derniers temps. Nous refusons ça dans ton église. Je veux que tu intercèdes pour l'église. Intercède pour l'église. Dis Seigneur, nous ne voulons plus voir la méchanceté dans l'église. L'hypocrisie dans l'église. Le matérialisme dans l'église. L'amour de l'argent. La désobéissance. Élève la voix. Regardez à ce que l'église est devenue. Regardons 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 à ce que l'église est devenue. Ce n'est plus Jésus-Christ qu'on proclame. Mais c'est l'amour de l'argent. C'est la richesse de ce monde. C'est la prospérité. On ne parle plus du ciel. On ne parle plus du retour de Jésus. Ce n'est que l'argent. Ce n'est que le voyage. Pendant que des âmes périssent. Pendant que des âmes s'en vont en enfer. Élevez, lève la voix. Élevez, lève la voix. Bien-aimé, 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 lève ta voix.
Élève ta voix bien aimé. Combien de personnes tombent en enfer par jour? C'est incontable. Parce que l'église ne fait plus son rôle. Restons comme église. 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 Que ton église se réveille. 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 Que ton église se lève. Que ton église se lève. Oh Seigneur. La papa papa papa. Que ton église se lève. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, lève la voix. Bien-aimé, là où tu es, élève ta voix vers le Seigneur. Élève ta voix vers le Seigneur. Élève ta voix vers le Seigneur. Et crie à ton Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tu as assez croisé les bras. Tu as assez croisé les bras. Tu as assez dormi. Tu as assez dormi. Tu as assez croisé les bras. Tu as assez regardé avec les yeux. Aujourd'hui, il est temps de réagir. 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 Oh Seigneur. Mighty Lord. Manifeste ta puissance. Mighty Lord. Manifeste ta puissance. Raconte ta rébré. Rabababababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons élever encore ce sujet de prière. Gloire à Dieu. Vous savez, plus le temps passe, plus le diable plonge le monde dans la distraction. Les hommes sont distraits. Même le corps de Christ est devenu distrait. On n'est plus concentré sur l'essentiel. L'essentiel qui est notre salut. L'essentiel qui est de se poser la question. Est-ce que ma marche va me permettre d'arriver au ciel? Ou est-ce que la marche-ci, c'est pour aller vers la richesse? C'est pour aller vers les femmes? C'est pour aller vers les voitures? C'est pour aller vers des constructions de maisons? C'est pour aller vers des voyages? Est-ce que ma marche me permettra aussi d'aller au ciel? Bien-aimé, je veux que nous crions au Seigneur et nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui touche le, si Jésus ne touche le cœur de quelqu'un, celui qui le touche en vain. Tu peux beau parler, bien-aimé, mais quand Jésus-Christ touche le cœur de quelqu'un, le travail est bien fait. Nous allons parler au Seigneur que le Dieu qui a touché le cœur de Saül, le Dieu qui a touché le cœur de Saul, Paul, devenu Paul. Paul tuait des chrétiens. Mais quand Jésus l'a apparu et a touché son cœur sur le chemin de Damas, les choses ont changé. Il a accepté Jésus-Christ. Disons au Seigneur que de partout le monde entier, que le Seigneur touche les cœurs. Même des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ce qui est dans leur cœur, c'est la richesse. Ce qui est dans leur cœur, c'est les plaisirs de ce monde, la prospérité. Disons au Seigneur Jésus que papa, il est temps pour toi de faire ton entrée dans les cœurs de tes enfants. Nous t'invitons dans leur cœur. Entre dans leur cœur. Révèle-toi à eux.
à une autre dimension, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Élève la voix, bien-aimé. Bien-aimé, vous qui nous suivez, peuple de Dieu, là où tu es, je veux que tu te mettes à genoux et que tu élèves tes deux mains vers le ciel. Tu dis au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tous les membres de ma famille qui refusent de te venir à toi, oh Dieu, je crie à toi pour eux. Je crie à toi pour ma maman. Je crie à toi, Seigneur, pour mes frères, pour mes soeurs. Touche le cœur, Seigneur. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Il y a certains qu'on combat. Tu es chrétien aujourd'hui, ils te combattent. Ils te combattent. Au lieu de les haïr, dis à Jésus de toucher le cœur. Comme il a touché ton cœur. Dis Jésus, touche le cœur. Touche le cœur. Qui s'imaginait aujourd'hui que tu allais abandonner? Tu allais abandonner. Tu allais abandonner le monde pour venir à Jésus. Qui pouvait s'imaginer que toi tu pouvais abandonner le monde pour venir à Jésus? Toi aussi prie pour quelqu'un. Toi aussi prie pour quelqu'un. Que ce que Dieu a fait dans ta vie, il puisse aussi le faire dans la vie des autres. Il puisse abandonner. Abandonner le monde. Et venir à toi. Ceux qui sont dans le maraboutage. Ceux qui sont dans la sorcellerie. Ceux qui sont dans la prostitution. Ceux qui sont dans le vol. Dieu Jésus, touche le cœur, Jésus. Touche le cœur, Jésus. Dis Jésus, touche le cœur. Bien-aimé, prie le Seigneur. 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 Que Dieu touche le cœur. Regarde à ton père. Regarde à ta mère. Regarde à tes frères. Regarde à tes cousins. Si l'enlèvement c'est aujourd'hui, est-ce qu'ils vont aller en enfer? Viens le même prix. Viens le même prix. Que Dieu se souvient aussi d'eux. Dieu se révèle à eux. Dieu se révèle à eux. Dieu se révèle à eux. La cantara brosca libre. A la cantara brosca. Bien aimé, je vais t'entendre prier. Pleure pour ta famille. Pleure pour ton village. Oh Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes dans un temps d'intercession. Et prière de combat. Prière de délivrance. Pour le monde entier. Dieu veut que tu pries. Dieu veut te voir pleurer. Dieu veut te voir crier. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Échis dans la vie, Seigneur. Agis dans la vie, Seigneur.
papa. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Là où tu es, prie le Seigneur. Allez, oh Seigneur Jésus, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. La Bible déclare, j'aime ce texte de Daniel. Daniel chapitre 9. Alléluia. Gloire à Dieu. Daniel avait passé son temps à travailler. Il a passé son temps à regarder la souffrance. Il a passé son temps à regarder comment on forçait le peuple de Dieu à servir d'autres dieux. Après un temps, il a dit, assez, c'est assez. Je ne vais plus regarder. Je ne vais plus regarder. Je vais prendre un moment de jeûne. Je vais prendre un temps de prière. Et je vais m'adresser aux propriétaires de ce peuple. Je vais m'adresser aux propriétaires de ce peuple. Je vais lui demander où il est. Je vais lui demander pourquoi jusqu'à présent il ne fait rien. Alléluia. 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 Je veux que tu élèves tes deux mains vers le ciel et que tu cries au Seigneur pour la délivrance de son peuple. Il y a des gens qui subissent une certaine dimension de captivité dont on ne peut pas imaginer. Ils ont besoin de Dieu seul. Leurs agents ne peuvent rien faire pour eux. Leurs relations ne peuvent rien faire pour eux. Leur famille même ne peut rien. La famille les a abandonnés. Il y a des gens même qui sont chassés dans des églises. Des sorciers qui ont besoin de la délivrance. Mais on les chasse. On veut même les tuer. Ils crient au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, je veux que tu élèves la voix. Et que tu dises au Seigneur d'étendre sa main de délivrance dans leur vie. Tous ceux-là qui crient au Seigneur, dans tout le monde entier, que le Seigneur fait descendre ses anges de délivrance maintenant dans toutes ses vies et qu'il commence à opérer des délivrances, des guérisons, des restaurations. Même toi-même qui me suis, bien-aimé, je veux que tu appelles le Seigneur. Si tu as mal, si tu as un problème, crie au Seigneur. En ce moment, Dieu va te toucher. Élevons les voix, prions au Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te supplions. Rab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 a. Récontarabri. Malébros canté. Bien-aimé, je veux que tu parles au Seigneur. Élève au Seigneur tous ces gens qui souffrent dans le monde. Tu souffres dans le monde. À cause des démons. À cause de la sorcellerie. Prie, 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 prie. Prie, bien-aimé, prie. Là où tu es, prie. Dis, Seigneur, regarde à ma situation. Seigneur, regarde à la situation de ma famille. Les hôtels 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 de ma famille. Ils me réclamaient encore. Les démons de ma famille. La sorcellerie de ma famille. Élève la voix. On perd la délivrance. On perd la délivrance. On prend la délivrance, Seigneur.
Seigneur, délivre-les. Les serviteurs qui ont besoin de ta délivrance, délivre-les. Ceux qui ont besoin de la guérison, étends ta main de guérison, Seigneur. Maya encore une fois. Rakantarabré. Malébros cantarabré. Rakantarabro. Zakarabro. Zakarabro. Bien-aimé, pendant que tu pries, le Seigneur te touche là où tu es. Bien-aimé, pendant que tu pries, le Seigneur te guérit là où tu es. La main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. Ça vient sur ta famille. Ça vient dans ton église. Ça vient dans ton corps. Dieu se révèle à toi. 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 Descends ta puissance, Seigneur. Envoie tes anges dans tout le monde entier, papa. Qui commence à faire le travail. Le travail de la délivrance. La restauration des vies. La restauration des vies. La restauration des vies. La stérilité quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus. La stérilité quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus. La sécheresse quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus. La mort quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus. La maladie quitte ta vie. Rabababababababa. La sorcellerie quitte ta vie. Rabababababababa. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Ce soir, nous allons démanteler tous les hôtels. Les hôtels de la sorcellerie. Bien-aimés, nous devons savoir ce que c'est qu'un hôtel. L'hôtel, c'est le point de contact entre le surnaturel et le naturel. Il y a des points de contact entre la sorcellerie et ta famille. Il y a les points de contact entre la sorcellerie et ton église. Entre la sorcellerie et ta propre vie. Entre la sorcellerie, entre les œuvres du diable qui sont surnaturelles et ton village, et ta maison, et ta ville, et ton pays. Ce soir, je veux que moi et toi, et ensemble avec Jésus-Christ, que tout hôtel satanique qui gouvernait, tout hôtel satanique qui avait autorité contre ta volonté, contre la volonté de ta famille, contre la volonté de ton pays, contre la volonté des enfants de Dieu, et qui les réduisait à l'esclavage. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel avait prié le Seigneur parce que les enfants d'Israël étaient en esclavage. Ils étaient en esclavage. Ce soir, tu vas te lever contre ces autels. Alléluia. Qui ont longtemps maintenu l'humanité captive. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Tous les symboles que vous voyez dans les nations, les représentations, les logos, ce sont des autels. Alléluia. Ce sont des représentations du diable. Alors ce soir, nous allons prier le Seigneur que tout autel du diable, quel qu'en soit le lieu où cela se trouve, dans ton quartier, dans ta famille, dans ta nation, que la puissance de Dieu descende maintenant. La Bible déclare que le Seigneur, lorsqu'il a apparu à Gédéon, il a envoyé Gédéon d'abord renverser l'autel, le point de contact du diable avec sa nation qui était dans sa famille. Bien-aimé, je veux que tu élèves la voix, tu dis au Seigneur, tout point de contact avec la sorcellerie, avec ma famille qui était une autel, que le feu quitte du ciel comme Élie a invoqué le feu et que cela tombe maintenant, consumer cet autel. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Libère le feu. Hôtel de mort en cette fin d'année. Hôtel de mort en cette fin d'année. Oh yes. S'il y avait quelqu'un qu'on a déclaré qui va mourir, tu vas pas vivre. Je brise cet hôtel de mort dans ta vie. Là tu es couché sur ton lit de malade. Là tu es couché maintenant. J'ordonne au nom de Jésus. Élève-toi et marche. Sors de ce lit. Au nom de Jésus. Les hôtels de malédiction. De malédiction. Les blocages. Les célibats. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à te marier parce que tu es rattaché à un hôtel. Cet hôtel est brisé. Brisé. Cet hôtel est brisé. Brisé. Cet hôtel est brisé. Brisé. Cet hôtel est 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 brisé. L'hôtel qui commandait ta famille. Qui commandait ta famille. Qui commandait ta famille. Saccage. 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 Thank you.
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant qu'on prie, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Je vois quelque chose. Je vois comme des plats sur des autels. Et je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit me dit, qu'en cette fin d'année, il y a des gens qui sont programmés déjà. Qui sont déjà programmés sur des offrandes. Comme des offrandes sur certains autels. Alléluia. 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 Que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les familles, il y a déjà des programmations sur des autels. Gloire à Dieu. Ils sont comme des sacrifices. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Et tu vas dire au Seigneur maintenant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout sacrifice aussi vrai. Isaac devait être sacrifié sur l'autel. Tu as enlevé Isaac. Tu as apporté un autre sacrifice. Seigneur, ce que nous voulons ce soir, ce n'est pas que tu apportes un autre sacrifice, mais c'est que ces autels-là, non seulement le sacrifice est annulé et que l'autel soit brisé. Toute programmation en cette fin d'année sur les autels de sacrifice, des sorciers, des sociétés secrètes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces sacrifices, ces programmations, les membres de famille, les listes qu'on a déposées sur des autels, prions le Seigneur que cela soit nul et sans effet. Nous refusons les morts en cette fin d'année dans tout le monde entier. Au nom de Jésus, nous sommes dans les prières. Élevons les voix, bien-aimés. Zéro sacrifice en cette fin d'année. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Ce soir, bien-aimé, nous allons annuler encore quelque chose. Je vois comme des barils de sang qui doivent être remplis en cette fin d'année. Des barils de sang. Des barils de sang. Des barils de sang. Nous allons dire au Seigneur, en ce moment, tout le sang que le monde des ténèbres a décidé de cotiser en cette fin d'année, afin de pouvoir réaliser leurs activités de fin d'année. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien-aimé? Tu vas dire au Seigneur que tout ce sang qui avait été déjà programmé, que cela soit maintenant submergé et annulé par le sang de Jésus. Le sang qu'ils ont programmé pour faire décoller les avions. Le sang qu'ils ont programmé pour pouvoir faire leurs fêtes sataniques. Le sang qu'ils ont programmé pour pouvoir faire leurs opérations sataniques. Dans tout le monde entier, disons au Seigneur en ce moment que nous annulons maintenant cela. Car le sang, c'est le carburant du diable dans le monde des ténèbres. Annulons cela par les vertus du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Élevons les voix. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Brisé, annulé. Annulez!
Seigneur, le sang des réunions de la sorcellerie. Le sang des réunions de sorcellerie. Les réunions de sorcellerie. Mal au monde entier. En Afrique, en Europe, en Amérique, en mon Dieu et mon roi, en Antarctique, dans tout le monde entier. Est annulé maintenant. 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 Le sang qui devait faire décoller les avions. Les avions de sorcellerie. Les avions de sorcellerie. Est annulé maintenant. 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 Est annulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimé, de là où tu nous suis, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est un autre temps de prière et de jeûne. Alléluia. J'ose croire que le Dieu qui a exaucé Daniel est le même Dieu qui a opéré dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. À cause de toi, l'humanité va se réveiller. À cause de toi, le monde entier va sentir qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Alléluia. 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 De là où tu es, tu ne pouvons pas nous séparer puisque nous avons terminé sans que tu puisses commencer à bénir le nom du Seigneur. À lui dire merci pour ce qu'il a fait durant ce temps de prière. Tu vas lui bénir. Tu vas lui remercier. Tu vas dire Seigneur merci. Seigneur merci d'avoir utilisé ma bouche. Merci d'avoir manifesté ta puissance. Merci d'avoir manifesté ta gloire. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, Père. Reçois la magnificence. Élève la voix. Élève la voix. Là où tu es, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis papa merci. Dis papa merci. Dis papa merci. Merci le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Éternel des armées, nous te disons merci. Toi le Dieu qui exauce tes enfants et qui les a toujours exaucés. Toi le Dieu qui répond toujours fidèle. Toi le Dieu magnifique. Aujourd'hui, nous nous levons dans tout le monde entier que nous sommes. Et nous nous levons comme un seul homme. Et nous élevons les voix vers toi. Et nous crions à toi, Seigneur, en ces temps de la fin et en cette fin d'année. Et nous crions à Abba Père. Seigneur, il est temps que tu descendes et que tu visites encore de manière particulière ton peuple, de manière particulière ton église, de manière particulière tes enfants. Merci, Éternel des armées, pour tout ce que tu as fait, les vies que tu as restaurées, les délivrances que tu as opérées. Les visitations que tu as manifestées dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour cette personne à l'hôpital qui peut retrouver sa santé. Merci Seigneur pour ce foyer brisé qui peut se réconcilier. Merci Seigneur Jésus pour cette personne qui était captive sous le monde des ténèbres, mais aujourd'hui qui maintenant est en train d'expérimenter sa liberté. Reçois la gloire éternelle des amis. Béni sois-tu Seigneur pour toutes tes œuvres. Nous te disons merci. Que la gloire, l'honneur, la magnificence soit à toi, à jamais, au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom à vous. Et rendez-vous encore à la prochaine séance de prière. Que la grâce de Dieu, qui surpasse l'or et les trésors de ce monde, se repose davantage sur vos vies.
au nom de Jésus-Christ. Amen.